On s'attendait à quelque chose de con, c'était finalement très très con. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve en ce milieu de semaine pour la critique de Godzilla vs Kong. C'était pas forcément prévu qu'on en parle si tôt parce qu'on attendait le film en salle de cinéma, mais au final, il est disponible en France aujourd'hui en VOD. Une sortie en salle de cinéma semble être encore prévue aujourd'hui, même si ça pourrait être annulé comme Wonder Woman par exemple. On va continuer de suivre de très près l'évolution de la crise sanitaire pour voir quand est-ce que l'on pourra retourner en salle, mais bon, en attendant, Godzilla vs Kong, on en parle. Godzilla vs Kong est réalisé par Dan Wingard. La suite, le quatrième film du MonsterVerse. Godzilla et King Kong, les deux forces les plus puissantes de la nature, entrent en collision dans une bataille spectaculaire inédite. Alors que Monarch se lance dans une mission en terrain inconnu et qu'il découvre de nombreux indices sur l'origine des titans, un complot humain menace d'éradiquer ces créatures. Donc Godzilla vs Kong, pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que j'imagine bien que depuis un mois vous êtes beaucoup à l'avoir déjà visionné. Godzilla vs Kong, c'est un énorme délire popcorn totalement con. Il faut totalement laisser son cerveau quelque part, mais pas dans votre tête. C'est vrai que déjà à l'origine, je suis pas forcément fan d'œuvres de kaiju, de films où on va voir des gros monstres, des gros robots qui se battent dans une ville totalement morte. Ça va encore être le cas ici, vous avez aperçu les bandes annonces, vous avez vu qu'on allait avoir ces deux monstres qui se battent. Il n'y a absolument personne, et lorsque ce combat se termine, et bah par miracle, vous allez voir des humains qui ont survécu, qui étaient là, mais on ne les voit jamais, je ne crois pas à ces histoires. C'est toujours un petit peu con, tout explose dans tous les sens, les combats sont souvent assez lents. Enfin voilà, à part le premier Pacific Rim qui avait réussi à m'impressionner. On avait des plans qui mettaient bien en avant le gigantisme des robots, c'est une exception. Mais ouais, ce premier Pacific Rim, c'est l'un des seuls que j'ai trouvé vraiment intéressant. Le deuxième, j'en parle pas, c'était vraiment pas bon. Et je n'ai pas non plus une grosse attache avec la saga, le premier Godzilla est pour le coup assez bon. Kong Skull Island, j'avais pas vraiment kiffé malgré 2-3 plans sympas. Godzilla 2, je ne m'en souviens même pas, alors qu'on en a parlé sur la chaîne, mais enfin bon, ce Godzilla vs Kong, ça avait tout quand même pour ne pas me plaire, et ça ne m'a pas plu. Alors du coup, par quoi commencer? On va spoiler direct, vous êtes déjà beaucoup à avoir vu le film. Donc, ce Godzilla vs Kong, comme je vous le disais, c'est un film qui ne se prend mais pas du tout au sérieux. Ça va être même tout le contraire, on est dans un délire qui est bien plus léger que les précédents longs métrages. On va le voir d'entrée avec Kong qui va se réveiller, on a une musique plutôt cool. On sent qu'on n'est pas là pour installer un souffle épique, on ne se prend pas du tout la tête. D'ailleurs, tant qu'on parle de la musique, j'avoue avoir été un petit peu déçu. Alors, pas déçu durant mon visionnage, mais plutôt après. Je vous explique. En fait, voilà, au niveau des musiques, on est devant quelque chose d'assez classique au niveau des compositions originales. Ça fait très générique, très blockbuster hollywoodien, mais en terminant le film, j'ai été voir qui était derrière tout ça, et c'est Junkie XL. Ah ! On parle donc d'un des compositeurs les plus en vogue de ces dernières années. Concrètement, pour ce projet, il ne s'est pas trop foulé, ça se sent. C'est un long métrage qui met des plombes et des plombes à se lancer. Pour quelle raison? Pour introduire ou réintroduire des personnages. Sauf que le problème, c'est qu'on se fout totalement de tout ce petit beau monde. La fin du film, vraiment, c'est affolant. Tu vois Godzilla se casser, ok. Tu vois Kong dans la terre creuse. Ça aussi, on va y revenir dessus, bien sûr. Puis hop, c'est la fin du film. On est déjà sur quelque chose de très expéditif. Mais le plus choquant, c'est qu'on ne revient sur aucun des personnages. On se fout totalement d'eux, c'est navrant. Mais même pour eux, c'est la honte. Vous avez été engagé pour être des plots. Oh, ça c'est pas très gentil. Toutes ces personnes sont séparées en deux teams. On va avoir d'un côté celle de Rebecca Hall et de cette petite fille. D'ailleurs, il me semblait qu'on les voyait plutôt dans la saga, mais ce n'est pas le cas visiblement. C'est dire, mais le film commence et tu te poses des questions sur tout le monde. Eux, est-ce qu'on ne les voyait pas déjà? Je ne sais pas. Et ceux-là, ceux qu'on ne voit jamais, tu penses même qu'on les a déjà perçus parce qu'ils sont introduits de manière si rapide sans background que tu penses qu'ils ont déjà été introduits et présentés dans d'autres films. Ce n'est pas le cas pour tous. Du coup, ouais, cette première équipe va avoir une utilité dans le sens où ils vont accompagner Kong
Kong dans ce qu'ils appellent la Terre creuse, cette espèce d'espace en mode interstellaire avec ces deux terres inversées qui se font face. On te parle de gravité, d'énergie chelou qui se trouve à cet endroit avec toutes ces touches de bleu, ces touches énergétiques. Tu sais pas trop d'où ça sort, c'est un peu tordu. On est dans un gigantesque délire, tu ne sais pas trop ce qu'on fout là, et je ne parle pas non plus de toutes ces technologies humaines qui sont pour le coup extrêmement futuristes. Bien plus que dans les autres longs métrages de la saga, mais on s'en tape, laissez-vous porter, c'est un peu comme dans Tenet, profitez du spectacle sans réfléchir. Ça, c'était pour la première équipe, l'autre, ce sera celle de Millie Bobby Brown, qui ne sert absolument à rien. À rien, à part apporter un Deus Ex Machina en puissance pour renverser le combat final et stopper Mechagodzilla. Déjà là, ouais, c'est sûr que c'est un film qui m'embête, parce que l'action pour l'action, c'est pas ce qui me branche le plus. Je n'ai aucune attache émotionnelle pour personne, ni même pour les deux monstres. Les personnages sont tous des plots, comme je le disais, le grand méchant est horriblement peu intéressant et cliché. Même si bon, on comprend ses intentions, il veut construire une arme qui leur permettra de se défendre contre Godzilla, sauf que bon, ensuite ça partira dans un délire presque caricatural. Il y a vraiment rien à sauver malheureusement dans ce projet au niveau des protagonistes, des performances d'acteurs, du scénario, etc. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment ce qui nous intéresse? Est-ce que notre but en voyant ce Godzilla vs Kong, ce n'était pas justement d'aller voir ces deux titans se combattre? Ouais, peut-être, et il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui seront satisfaits parce que ça reste quand même assez plaisant sur ce point. Les deux combats Godzilla-Kong sont plutôt cool, encore une fois, faut pas s'attendre à de l'épique, on est là pour voir Kong sauter de porte-avions en porte-avions, voir des villes totalement détruites comme si c'était un gosse qui avait fait ce film avec des jouets dans sa chambre. On met en avant durant cette première séquence les deux couleurs qu'on voit sur l'affiche pour bien distinguer les deux monstres, le bleu pour Godzilla sous l'eau, contre l'orange pour tout ce qui se passe en dehors de l'eau, la partie avec Kong. On est là aussi pour voir Godzilla se taper une barre après avoir réussi un jeu joli coup sur le gorille, c'est absolument n'importe quoi. Je mange pas ce pain là. C'est totalement débile, ça sera peut-être votre délire, perso c'est pas ma cam, clairement je préfère être face à quelque chose d'épique. Quelque chose d'impressionnant, de plus marquant, là concrètement cet affrontement je l'ai déjà oublié. Je regrette aussi énormément qu'on n'ait pas réussi à de très très nombreux moments à mettre en scène la grandeur des deux monstres. C'est bien simple, mais il y a des plans où t'as l'impression qu'ils sont assez petits en fait, il n'y a pas grand chose pour les comparer à l'humain, au bâtiment de la ville, avec de belles contre-plongées par exemple. Ça va être ça durant toute l'œuvre, que ce soit sur le porte-avions, en ville, en terre creuse, c'est frustrant parce qu'un des grands intérêts de ce projet, c'était justement ça, nous émerveiller par la grandeur de Kong et Godzilla, mais c'est un peu foiré. Il y a certains plans qui fonctionnent, notamment celui-ci qui est plutôt joli d'ailleurs. On va bien se rendre compte que Kong est balèze, même si bon, là aussi, cette petite fille, on ne la voit pas assez pour comparer. Du coup, ce grand combat entre Godzilla et Kong, on nous a pas menti, il y a bien un vainqueur et c'est Godzilla. Pour le coup, ça va être assez étonnant parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'inverse vu le traitement des deux monstres dans ce film. On n'est pas sur un Batman vs Superman où c'était assez équitable, là non. On est bien plus dans un film Kong où Godzilla est le méchant. Ça va être ça durant tout le film, on va chercher Kong, on va l'aider à aller trouver cette hache magique qui va lui permettre de gagner le combat, etc. Il y a ce rapport, ce lien assez mignon avec cette fille qui va se mettre en place. T'es vraiment Team Kong durant toute l'histoire, enfin je pense. Je sais pas si ça a été le cas de votre côté, dites-moi si vous avez plutôt été Team Kong ou Team Godzilla, personnellement Team Kong. Et je m'attendais vraiment, vu comment se déroule le scénario, à ce qu'ils mettent une branlée à Godzilla pour le faire entrer dans le droit chemin, mais ça ne sera pas le cas. Pour le coup, ça va être assez surprenant, une des rares bonnes choses du film avec certains effets pas trop dégueux. Pas tous, on a quand même énormément de fonds verts extrêmement visibles et dégueulasses. Et on l'avait vu dans un trailer, Mechagodzilla, et là, on parlait de Batman vs Superman tout à l'heure. On pouvait clairement s'attendre à voir les deux monstres s'unir pour combattre cet ennemi commun. À ce niveau-là, c'est moins surprenant, même si le combat est assez cool, ça fait plaisir de voir ces deux créatures combinées ensemble, se défendre l'un et l'autre après s'être tapé dessus. Même si là aussi, ce sera assez expéditif avec ce gros Deus Ex Machina dont on a parlé tout à l'heure. Donc
Donc voilà, globalement, c'est ce à quoi on pouvait s'attendre. Le scénario est con, les personnages sont OSEF comme les autres films. Les combats de titans sont sympas, mais pas forcément marquants, c'est oubliable. Est-ce que ça me gêne de ne pas avoir vu ce film en salle de cinéma? Eh bah, en fait, pas vraiment. Vous l'avez donc compris, je n'ai pas du tout été convaincu par ce Godzilla vs Kong. J'en attendais pas grand-chose, même si bon, j'aurais quand même aimé être surpris. Peut-être que certains d'entre vous l'ont apprécié ou l'apprécieront, mais malheureusement pour ma part, c'est beaucoup trop bas du front pour que je puisse m'y attacher d'un point de vue émotionnel. Est-ce qu'on aura une ou des suites? Ça, on ne le sait pas encore. Il y avait une scène post-générique qui était prévue à la fin de ce Kong vs Godzilla. Il me semble justement que cette scène a été tournée et qu'elle est finalement présente dans le film. Je ne sais pas c'est laquelle. L'avenir de la saga s'inscrit désormais en pointillé. On fait une petite pause. Dites-moi en commentaire si vous avez envie, vous, de voir une suite. Et ça en est tout pour cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Godzilla vs Kong. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur tous les réseaux, de devenir membre soutien si vous souhaitez aider la chaîne. Et on va se retrouver en cette fin de semaine pour parler Marvel, pour parler Disney+. On va parler de Falcon et le Soldat de l'Hiver. We look damn good though. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.